Bonjour à tous, bienvenue dans notre toute nouvelle vidéo où je vais faire décoller cette fusée Monarch 2 vers la Lune, qui est en fait une petite station spatiale. Ça montrera comment aller sur la Lune, faire une orbite autour de Kerbin. Donc nous allons tout de suite commencer. Là, nous allons nous mettre en orbite autour de Kerbin. J'essaie d'avoir un angle assez bon pour se mettre en orbite. Parfait. Ceci, c'est bon. Donc nous sommes en route vers là. Donc là, nous mettons la séquence de mise à feu de cet étage-ci pour donc se mettre en orbite autour de Kerbin. Donc là, le soleil est juste de l'autre côté. Dans environ 2 minutes, nous serons autour de Kerbin. Vous avez ici l'indicateur de temps, dans combien de temps nous serons en orbite autour de Kerbin. Nous partons un peu, comment dire, de notre manœuvre, car ici ça nous permet d'aller un peu plus vite sur notre manœuvre, même si c'est pas sur le plan initial, pour ensuite avoir une orbite autour de Kerbin. Là, oula, on est à peine d'être en orbite que le moteur s'arrête. Parfait. Donc là, on continue notre orbite. Je dirais quand ce sera bon, donc la périapside sera sur la périapside faxis de notre orbite. Environ à 1, c'est bon. Donc la mine est ici. Logiquement, il faudrait l'orienter de façon que l'orbite arrive à peu près par là. Donc on va le prendre.
D'accord, l'orbite est là. Donc je devrais le prendre à la périapside. Déjà, il faut que je le sette comme trajet. Nous devrons corriger notre orbite. Comme ceci. Encore un peu. Et c'est bon. Donc nous devrons par la suite. Trouver le bon endroit. Oula. Attends, on va reset parce que. En partant de la périapside. Maintenant, on n'a plus qu'à tirer. Voilà. Dans 3 jours, nous l'avons. Ok. Donc, c'est bon. Nous avons ceci. Voilà. 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 Ceci est une orbite de transfert telle qu'on la croisera à 6 jours. Donc nous nous éloignons peu à peu vers donc notre orbite pour pouvoir croiser la Lune. Nous sommes donc prêts à croiser notre vaisseau est lancé. On va pouvoir déployer ceci. Donc là, vous pouvez voir notre station. On va l'alimenter à 2 panneaux solaires. Je pense que ça suffira. Voilà. La mine est ici. Et on va pouvoir par la suite totalement partir à notre point de rencontre. Donc je pense pas qu'on l'aura d'ici là. Ici, nous passons donc près de carbine. Donc là, la force de gravité de comment ça s'appelle? Oula. D'accord.
Je pense que ça passera. Là, nous allons donc suivre l'orbite jusqu'à la Lune. Donc là, ouais, on a perdu. Oula. Ah bah oui. C'est parce que on avait une très mauvaise orbite. Alors, voilà, c'est bon. On s'est remis. Il faut d'accord se remettre là. On va donc se remettre. Parfait. Donc on va se restabiliser. Voilà. C'est bon. On est parti vers la Lune. Je voulais dire vers la Lune. C'est parti. Donc là, nous sommes tout près de la croisée. Nous sommes tout près de la croisée. Ça va pas tarder. Il faut ralentir un petit peu le temps parce que là, en atteignant l'apoapside, on va totalement la croiser. Stop. C'est bon. On est attiré vers. On est attiré donc par la Lune. Donc. Non, c'est par là qu'il faut agir. Donc, nous voici l'orbite une fois créée autour de la Lune. Nous avons juste à déclencher le moteur un peu trop rapide, le fait de bien contrôler l'orbite comme là, sinon on on aurait frappé la surface de plein fouet. Ok, donc nous voici à la périapside. Alors là, on va contrôler. Nous sommes en train de contrôler notre orbite, donc nous allons continuer à avancer. Et là, peu à peu, nous avons. Donc là, on n'a plus trop de carburant, donc autant, comment dire, larguer ceci. Voilà. Donc on est en orbite maintenant. On active le moteur. Faut que je l'active manuellement alors. Voilà. J'approche donc mon. Yes.
Alors, on va time wrap jusqu'à la périapside afin de rapatrier l'apoapside pour faire une orbite simple et pas une orbite, enfin une orbite à peu près, comment dire, ronde et pas elliptique. Que là, elle est un peu trop elliptique pour moi. Voilà, comme ceci. On va. Voilà. Allez, là on est en train. Je suis en train de la faire un peu mieux. Elle sera peut-être elliptique. Mais moins que là. Donc, la mission est réussie malgré qu'on a failli. Malgré qu'on a failli tomber à cause de l'attraction de carbine, à cause de l'orbite qui était mal faite, mais en fin de compte, c'est plutôt bon. On a réussi. La prochaine vidéo KSP sera cette fois-ci sur l'amunissage, c'est-à-dire que nous allons, comment dire, aller sur la lune. Nous avons donc réussi à découpler et donc à mettre en place nos panneaux solaires pour l'énergie, allumer nos lumières pour nos astronautes et à ouvrir le petit panneau solaire pour ce module scientifique. N'oublions pas le plus important pour communiquer, c'est bien l'antenne. Donc voilà notre station lunaire envoyée grâce au logiciel KSP. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que la prochaine vidéo aussi vous plaira. Ce sera l'amunissage sur sa surface avec une toute autre fusée et un tout autre équipage avec un autre module bien plus léger que celui-là. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos.